Bonjour, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste connu de tous les téléspectateurs de France et d'outre-mer. Mon cher Jean-Marc, nous sommes en plein dans une sorte de psychodrame franco-français dont les Français ont l'habitude, il y en a eu plusieurs ces temps-ci, à propos de la vaccination. Quelle est votre opinion? Est-ce que ces retards considérables du nombre de vaccinations en France par rapport aux autres pays voisins qui souffrent de la même pandémie, est-ce que ça vous paraît être un phénomène typiquement français? Écoutez, quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on peut se consoler, parce que quand on regarde ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, en Angleterre, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on s'aperçoit que la situation est au moins aussi dramatique, sinon plus. Et je parlais du nombre de vaccinations. Aussi confuse. Alors, en termes de vaccination, c'est vrai que nous avons un peu de retard par rapport aux États-Unis qui ont vacciné plus d'un million de personnes. La Grande-Bretagne aussi. Par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport aux Anglais, nous avons eu une vaccination très spectaculaire au moment de Noël où nous avons vu sur tous les écrans de télévision cette charmante Morissette se faire piquer, mais ça s'est arrêté là. Nous avons aujourd'hui à peu près 1000 ou 2000 vaccinés, alors que dans les autres pays, ils en sont à plus de 10 000. C'est vrai que nous avons un problème qui a donné le sentiment d'un cafouillage assez important. Et ce cafouillage-là traduit vraisemblablement une incapacité de l'administration et du pouvoir politique à prévoir les réactions. On est parti sur l'idée qu'il fallait pas être pressé, qu'il fallait prendre son temps. On est parti sur l'idée que la majorité de la population française ne désirait pas être vaccinée. On est donc parti sur l'idée d'échelonner un peu cette opération en commençant par les personnes les plus âgées, les plus à risque, celles qui sont le plus susceptibles d'encombrer les hôpitaux, alors que peut-être il aurait fallu procéder autrement. Et cet autrement, c'est la stratégie qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est-à-dire de faire une vaccination beaucoup plus large. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est embarqué dans cette stratégie qui va à l'encontre de ce qu'ont fait tous les autres? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas la logistique pour le faire. On était incapable d'approvisionner les centres de vaccination parce que cette logistique implique un transport particulier avec des congélateurs que nous n'avions pas et que nous n'avons toujours pas. Donc c'était très dangereux, on risquait de perdre les doses. La deuxième raison, je crois, c'est qu'on avait le sentiment que les Français n'étaient pas favorables à la vaccination et que le président Macron et vraisemblablement ses conseillers, on se dit, c'est pas la peine d'organiser des grandes opérations de vaccination comme les Allemands sont en train de le faire si jamais on n'a personne. Ça va être passé pour un échec. Et c'est une erreur flagrante parce qu'on s'est aperçu que la population française est beaucoup plus intelligente. Elle considère que la vaccination est la seule solution pour sortir de ce piège. Je crois que la troisième raison, c'est qu'on a eu le lobby des médecins généralistes de ville qui ont, comme ils avaient été un peu écartés de l'opération masque ou test, on dit la vaccination, on sait faire, on fait la vaccination contre la grippe tous les ans, on va donc le prendre en charge. Et pour faire plaisir, entre guillemets, aux médecins généralistes, comme aux pharmaciens, on a dit, bon, ben, c'est vous qui la ferez. Mais sauf que pour que les médecins généralistes la fassent, il faut prendre des précautions, il faut faire transporter les vaccins, il faut faire en sorte d'avoir deux ou trois consultations. C'est-à-dire que l'administration a pondu des tonnes et des tonnes de normes d'avertissement qui rendaient l'opération impossible. Donc on s'est aperçu qu'on allait dans le mur, à l'échec, et derrière tout ça, une population qui s'inquiétait et qui considère que la seule solution, c'est véritablement, et notamment le personnel médical, les médecins, les soignants, dit qu'il fallait absolument être vacciné le plus tôt possible. On a donc un peu tourné la stratégie, et qui est aujourd'hui officielle, d'une stratégie qui va être une stratégie plus importante au niveau de la population. – Et sans l'obligation de passer par un médecin, parce que, par exemple, en Allemagne, il faudra s'inscrire à partir du 15 janvier… Parce qu'en ce moment, en Allemagne, sont vaccinés les personnes à risque, les médecins, et tout mais, ça, comme mais en France. Massivement, beaucoup, mais, beaucoup oui, plus beaucoup, important. Massivement. Et à partir du 15, la population générale aura accès sur Internet. Il faut s'inscrire, on vous donnera une date et un rendez-vous, et vous irez dans un centre vous faire vacciner dans votre ville, ou petite ville, ou grande ville. Il y aura tout ce qu'il faut. Il n'y aura pas de visite préalable, sauf pour les sujets qui présentent des symptômes ou des cas de risque ou de cas de morbidité. Mais il n'y aura pas besoin d'aller dépenser deux ou trois feuilles d'honoraires chez un médecin pour se faire vacciner. On sera simplement inscrit à l'assurance maladie pour qu'au moins on sache
sache qui dans ce pays a été vacciné ou pas. Mais la vraie raison de tout ça, c'est que je crois qu'on n'est pas capable de vacciner le plus clair de la population. Il faut arriver, pour réussir l'opération, à l'immunité collective, c'est-à-dire à faire en sorte que au moins 60% de la population soit vaccinée. Si les médecins considèrent que si 60% de la population est vaccinée, 60-70%, eh bien le virus ne circulera pas. Ou s'il circule, il va tomber chez des gens qui sont protégés. Donc il s'arrêtera forcément de circuler. Mais on serait parti d'une autre idée, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement 60% de la population française qui ne voulait pas être vaccinée. Bah, qu'on les laisse. Et ceux qui veulent être vaccinés, c'est-à-dire 40%, bah, qu'on les vaccine le plus tôt possible. Ces 40%, si vous y ajoutez les 15 ou 20% de gens qui sont déjà immunisés parce qu'ils ont déjà eu la Covid, eh bien vous avez pratiquement l'immunité collective. Et on l'avait dans 2 ou 3 mois. C'est bien ça le pareil qu'il fallait faire. Oui. Et c'est celui qu'on va essayer de faire, non seulement avec le vaccin Pfizer, mais également avec le vaccin Moderna, qui a obtenu l'agrément de l'Agence européenne de la santé. C'est encore une fois l'administration française qui est mise en cause, comme elle l'avait été au début, où il ne fallait pas de masques, ensuite il fallait des masques, les tests, il n'en fallait pas. Est-ce que finalement, le président Macron pourra un jour, ou à moins ou son successeur, faire quelque chose pour moderniser cette administration qui coûte si cher que ça en plus? C'est effectivement une des administrations qui coûte le plus cher au monde. Celle de la santé, celle de l'éducation nationale. Et par hasard, ce sont les deux administrations qui ne donnent pas de résultats. On a cru pendant très longtemps que la France avait le meilleur système de santé français, mais c'était en tous les cas le plus cher. Et on s'aperçoit qu'il n'est pas très très bon et pas très bien géré. Mais il ne peut pas être très bien géré lorsque vous avez 30% des personnels qui ne sont pas des personnels soignants, qui sont des personnels administratifs, dont le métier consiste essentiellement à pondre tous les jours des notes, des normes, des règlements et des revendications. Tout ça qui est en kilo. Non, je crois que globalement, on a une administration qui est mal formée, qui est pléthorique au niveau des non-opérationnels et qui, en revanche, est déficitaire au niveau des opérationnels et des personnels de terrain. On l'a bien vu pendant le... Donc, ils nous embarquent dans des situations. On a une deuxième cause en France dont on ne mesure pas suffisamment l'intérêt, c'est l'application stricte du principe de précaution. Le principe de précaution paralyse beaucoup la prise de responsabilité, à la fois des personnels administratifs qui se protègent, qui ouvrent des parapluies à chaque fois qu'ils prennent une décision. Et ouvrir un parapluie quand ils prennent une décision, c'est demander l'avis de 2 ou 3 comités, soit des électeurs, soit des médecins. Enfin, c'est invraisemblable le nombre de comités qu'on a pu créer en France. Et puis au niveau des ministres, vous avez aujourd'hui une inflation de plaintes en justice qui sont faites à l'encontre d'un certain nombre de responsables. C'est à cause du sang contaminé. C'est un peu le syndrome du sang contaminé qui a fait énormément de mal, d'abord à beaucoup de malades et de gens qui ont été contaminés par le sang, mais aussi qui a déstabilisé un peu la classe politique. Donc, vous avez beaucoup de ministres qui considèrent qu'aujourd'hui, beaucoup de maires qui ont des difficultés avec la justice, parce que n'importe qui, un peu organisé, n'importe quel avocat, un peu malin, peut porter plainte pour raison ou pour une autre, pour mise en danger de la personne d'autrui. Donc ça, c'est mise en danger de la personne d'autrui. Oui. Donc ils risquent la justice, ils risquent de casser leur carrière, de les embarquer dans des opérations dont ils ne sortiront pas. La plupart des plaintes qui sont déposées, il y en a énormément qui sont déposés actuellement, n'aboutiront pas parce qu'elles sont fondées soit sur des motifs qui ne sont pas suffisamment importants ou soit parce que l'enquête est impossible à faire. Mais n'empêche que ça pèse sur le système et ça empêche les gens de prendre des risques. Un homme politique, ça doit prendre des risques politiques, mais des risques quand même. Et les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ces Français dont vous parlez, là, 60% ou peut-être un peu moins, que risquent-ils ? Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, je crois qu'ils ne sont pas 60%. Ils sont d'ailleurs 60%, c'est un taux de sondage qu'on a eu il y a 3 semaines qui rendait service beaucoup au gouvernement parce que en fait ils se disaient bon bah comme les Français sont pas d'accord, on n'a pas besoin de se presser. C'est à croire finalement que les Français préféraient être confinés et enfermés chez eux plutôt que d'aller prendre le risque des effets secondaires. Qu'est-ce qu'ils risquent ? Ils risquent d'être mis au banc de la société. Et
et en dehors de la société. Comment ça? Comment ça? Parce que le système du vaccin va être appliqué dans le monde entier. C'est le seul moyen de se protéger de cette horreur que représente le Covid et du stress que ça fait, de l'imprévision que ça procure. C'est le seul moyen, la vaccination, de remettre le pays au travail. C'est le seul moyen. Le taux de mortalité imputable au coronavirus n'est pas extraordinairement élevé. Mais c'est une menace qui pèse quotidiennement sur la tête de chacun de nous. Donc qui nous empêche de faire prendre la moindre initiative. On ne peut plus voyager, on ne peut plus embrasser ses amis, on ne peut plus les voir, on n'a plus de relations, plus rien. Donc le vaccin va être le seul moyen de revenir à la vie sociale. Et vous voyez, on ne va pas le rendre obligatoire, parce que ce serait une atteinte à la liberté, évidemment. Mais ce sera une obligation. On ne pourra pas faire autrement. Moi, je prends toujours l'exemple du permis de conduire. Le permis de conduire, il n'est pas obligatoire. Vous avez des gens qui conduisent sans permis. Ils prennent un énorme risque pour eux, pour leur famille et pour ceux qui... Il y a à peu près, peut-être entre 500 et 1 million de personnes qui conduisent sans permis en France. C'est quand même extraordinaire. Mais ils risquent la prison, ils risquent d'être enfermés parce qu'ils risquent l'atteinte à la santé d'autrui. Je crois qu'avec le Covid, on aura la même chose. Lorsque vous voudrez prendre l'avion, vous voudrez passer dans un pays étranger, vous voudrez partir aux États-Unis, vous voudrez partir... Quand vous allez aujourd'hui en Afrique faire un voyage d'affaires, vous faites vacciner de la fièvre jaune ou du choléra. Enfin, vous avez une série de vaccins obligatoires. Ben, vous le faites si vous voulez vivre avec... Donc vous risquez de vous mettre en dehors de la société. C'est une question de liberté. La liberté, c'est de respecter aussi celle des autres. Vous mettez la vie des autres en danger si vous n'êtes pas vacciné. Alors vous avez parlé de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique, finalement, est peut-être désavantagée par rapport aux pays développés comme l'Europe, plus développés comme l'Europe, parce que ces derniers auraient, comment dire, capté toute la production des vaccins? C'est sûrement. La situation aujourd'hui, elle est extrêmement dramatique pour les pays émergents ou en voie de développement. Et d'abord parce que, on ne connaît pas exactement le pourcentage de contamination, on ne connaît pas la circulation exacte du virus dans ces pays-là parce qu'ils ne sont pas bien outillés pour ça. Et troisièmement, il est évident que la plupart des pays occidentaux, riches, ont capté, préempté les fabrications de vaccins. Donc actuellement, l'Europe tout entière est en situation de pénurie de vaccins. On en cherche dans le monde entier, comme on était en pénurie de masques ou de tests. Eh bien, on a réglé le problème des masques, on a réglé le problème des tests. Il va falloir qu'on règle le problème des vaccins, mais ça va être beaucoup plus dur et beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux. Donc il va falloir s'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant qu'on puisse commencer à distribuer des vaccins dans les pays émergents ou dans les pays en difficulté. Non, ça creuse énormément les inégalités à l'intérieur, sur la planète, entre les pauvres et les riches, entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, mais ça va aussi creuser les inégalités, évidemment, dans les pays riches, entre ceux qui ont les moyens de se faire soigner et ceux qui n'en ont pas les moyens. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, on bat le record mondial des décès à la Covid. Bah, ce n'est pas les gens de Manhattan et de la 5e avenue ou de Long Island qui en pâtissent. Hein. Ce sont les gens qui sont dans les quartiers pauvres, les noirs du Bronx ou de Floride. À propos justement de ce que vous avez dit, du vaccin très coûteux, il y a la question de la dette immense de la France, des autres pays qui se sont endettés. Alors expliquez-moi comment et qui va payer cette dette un jour, quand? Alors la dette est importante. Oui. Elle est difficile à payer. Si on la dépense et si on ne sait pas ce qu'on en fait exactement, elle ne sera pas difficile à payer si cette dette sert à faire repartir l'économie et à investir. Donc je ne suis pas forcément inquiet sur le financement de la dette. On a trois méthodes de la payer. On peut parfaitement prolonger cette dette, j'allais dire indéfiniment. C'est une dette perpétuelle, si jamais on ne réussissait pas à la payer. Deuxièmement, on peut en rembourser une partie avec un rebond de la croissance dans les pays développés. Et je crois assez au rebond de la croissance, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, troisièmement, cette dette n'existe que parce qu'il y a de l'épargne en face.
C'est parce qu'il y a des gens qui ont de l'épargne, qui ont de l'argent liquide disponible. La France, par exemple, a plus d'épargne liquide disponible sur ses comptes courants et sur les comptes de caisse d'épargne qu'en dette extérieure. Donc c'est pour les épargnants, pour les investisseurs, une garantie de pouvoir être remboursé un jour. L'essentiel, ce n'est pas d'être remboursé. L'essentiel, c'est de croire qu'on sera remboursé. Dans ce cas-là, on suit le mouvement. Voilà un peu comment ça va fonctionner. Je ne plaisante qu'à moitié parce que l'économie, c'est un mécanisme qui est fondé sur la confiance. Où les gens ont confiance dans la pérennité du système et ils continuent de travailler, donc ils nourrissent le système. Si jamais ils n'ont pas confiance, c'est vrai que le système s'écroule. Mais contrairement aux autres crises, dans la crise actuelle, rien n'a été détruit. Il ne faut jamais oublier ça. On n'a pas détruit d'infrastructures, on n'a pas détruit d'immobilier, on n'a pas détruit d'actifs industriels. Ce n'est pas la guerre. Hein, il n'y a pas eu de bombardement. On a simplement stoppé les moteurs, on a arrêté, on a confiné. Et je fais tout en protégeant d'ailleurs les actifs humains. On a protégé non seulement les hommes, les femmes, mais on a protégé les contrats de travail, l'allocation chômage, etc. Ce qui a nourri d'ailleurs une grande partie de l'épargne française ou occidentale. C'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose partout. Donc vous avez là des matelas de garantie. Vous avez un ressort et un rebond possible. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais nous avons un rebond. On a bien vu ce qui s'est passé au moment du déconfinement en juin. Oui. Juin, juillet, août, septembre, vous avez eu... C'est comme le type qui est au bas de la piscine, il donne un grand coup de pied et puis il rebondit. Donc les économies ont bondi, hein, 50-60% de croissance en août, septembre, etc. Donc on a presque rattrapé d'ailleurs ce qu'on avait perdu avant, pas tout à fait. Bon, donc il ne faudrait pas que ça se prolonge. C'est bien pour cette raison qu'il faut urgemment sortir de ce piège. On ne peut pas continuer de vivre par les périodes de confinement. Il n'y a que le vaccin pour faire ça. Il n'y a que le vaccin. Parce que sinon, on peut durer encore combien de temps avec cette espèce de semi-confinement ? Vous ne savez pas, parce que vous avez des vagues de Covid qui arrivent. Vous les éteignez avec le confinement, puis dès que vous déconfinez, la vague revient. Et puis le Covid qui est malin, il peut muter. C'est une nouvelle forme de Covid. Non, vous ne savez pas. On est déjà actuellement en train de se préparer à la troisième vague en Europe. On a parlé tout à l'heure des vaccins, de la vaccination. Les Chinois ont peut-être une opportunité dans les pays en voie de développement et où le vaccin russe aussi peut-être pour remplacer les vaccins occidentaux. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les vaccins chinois et les vaccins russes fonctionnent. Ils fonctionnent, il n'y a pas eu d'effets secondaires importants, autant que je le sache, et qu'ils peuvent évidemment investir et apporter leur aide aux pays en voie de développement. Ils peuvent en faire une arme politique. La question est de savoir s'ils ont eux aussi assez de vaccins pour leurs propres besoins et leur propre population, ce qui n'est pas forcément le cas. Comment jugez-vous la gestion de Macron dans cette affaire? Parce qu'on a quand même l'impression aussi que c'est le roi du comité, de la décision qui change, qui... Écoutez, je crois qu'il fait, comme... il fait ce qu'il peut. Ouais. Et quand vous vous comparez les résultats objectifs français, vous vous apercevez que la France, au niveau sanitaire, n'est pas dans un état plus compliqué et plus douloureux que la plupart des pays occidentaux. Elle est même plutôt préservé par rapport aux États-Unis ou par rapport à l'Angleterre. Bon, sur le plan économique, nous avons une situation difficile au niveau des entreprises, mais au niveau économique, c'est une situation plutôt confortable au niveau de la population. On a ménagé les populations en distribuant justement pas mal d'argent public et d'argent endetté. On en parlait il y a un instant. Alors, pour le reste, c'est vrai qu'il ne participe pas à créer un climat de sérénité qui permettrait à la population de respirer un peu et de se dire après tout, oui, on va prendre du recul, c'est peut-être pas aussi grave que ça, il faut qu'on fasse attention. Je trouve que la population est très responsable, mais que la population, elle est gérée par la peur. Et que la gestion de la peur, ça ne peut pas marcher très longtemps. Au bout d'un moment, la cocotte minute explose. Donc pour l'instant, ça marche, mais il faut vraiment qu'on ait un espoir d'en sortir. Le seul espoir d'en sortir, on revient sur le vaccin. C'est pour ça qu'il a commis une erreur flagrante au départ de ne pas se faire vacciner lui-même. La plupart des chefs d'État, la plupart des ministres chez nos pays voisins se sont fait vacciner assez rapidement. Le Premier ministre, comme la plupart des ministres, j'en connais pas aucun, n'a même manifesté le désir d'être vacciné très tôt.
Le temps viendra quand notre tour viendra. Non, enfin, avec un bon. Alors, il a pas confiance vraisemblablement dans son entourage. Son opposition, sa majorité politique ne l'aide pas beaucoup dans cette pédagogie. L'opposition, elle est complètement absente. Elle est sur le terrain de l'opposition systématique, sans aucune alternative. Ou alors c'est des alternatives contradictoires, donc c'est pas utilisable. Donc il s'est appuyé principalement sur les scientifiques, sur les comités scientifiques. Et comme parfois ces comités scientifiques prennent des décisions qui lui paraissent brutales vis-à-vis de la presse ou vis-à-vis de l'opinion publique, eh bien il fait appel à des comités théodules, qui ne serviront pas à grand-chose. Parlons un peu des États-Unis, parce que là-bas, en dépit du nombre très élevé de victimes, à la fois de personnes atteintes et de personnes décédées, ça n'a pas, semble-t-il, de conséquences sur la production industrielle, ni sur l'état de la bourse aux États-Unis. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Alors, ça n'a pas de répercussion sur l'état de la bourse, mais ça n'a de répercussion sur aucune des places financières du monde, puisque vous n'avez aucune place financière dans le monde qu'à craquer. Ça vient du fait que les boursiers qui anticipent ont compris ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la crise sanitaire avait bloqué le système mais ne l'avait pas détruit. Donc qui repartira. On a bien vu ce qui s'est passé sur l'action Pfizer qui était descendue au plus bas et qui, du jour au lendemain, quand on a appris que le vaccin fonctionnait, a bondi dans tous les sens. Et la bourse de Paris a terminé à un point plus haut que celui auquel elle était rentrée dans la crise au mois de février de l'année dernière. La bourse, le Dow Jones, le Nasdaq, tout ça. Alors, il y a deux raisons à tout ça. C'est que le premier, c'est que les boursiers sont convaincus que économiquement, ça va rebondir. Et ça va rebondir en 2021, peut-être un peu plus tard pour nous, mais en 2021-2022 pour les États-Unis, et qu'on rattrapera tout ce qu'on a perdu. Il y a une deuxième raison, c'est que l'économie réelle américaine a été arrosée par les fonds publics, puisque vous savez qu'un des derniers actes de Donald Trump a été de lancer ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire de distribuer jusqu'à 1 000 ou 2 000 dollars par famille pour qu'ils puissent, pour compenser le fait qu'ils n'aient pas d'allocation chômage ou d'allocation, tout ça. Puis la troisième raison, c'est que vous n'avez pas eu de rupture de liquidité comme en 2008, par exemple, après Lehman Brothers. C'est-à-dire que les banques centrales ont distribué des liquidités massivement en rachetant de la dette et en stockant cette dette dans ces caisses. Et donc la Banque centrale américaine, comme la Banque centrale européenne, ont massivement, c'était open bar, ont massivement et continuent massivement d'assurer la liquidité des banques. Donc vous n'avez pas de risque du côté des banques et donc vous avez une continuité de l'économie. Non, l'économie américaine va chuter fortement, a dû chuter en 2020, de 5-6%. Je pense qu'elle va se récupérer en 2020 assez rapidement. Et pourquoi n'y a-t-il pas de vaccin français ? Alors, la France avait un vaccin en préparation. Vous avez parfaitement raison de le souligner. La France est la patrie du vaccin. C'est la patrie de Pasteur. C'est nous qui avons inventé les vaccins. Et la principale de nos laboratoires, Sanofi, était en travail et en développement sur un vaccin de type traditionnel pour lequel il est relativement en retard par rapport aux autres, mais relativement en avance par rapport à ce qu'on faisait autrefois. Parce qu'autrefois, pour faire un vaccin, il fallait plusieurs années. Il y a des maladies sur lesquelles on n'a toujours pas trouvé de vaccin. Hein. Oui. Le sida, ça va faire 10 ans qu'on cherche, on n'en a pas trouvé. Et là, il se trouve que Sanofi est en retard. Sanofi a fait dire qu'il serait en retard de 6 ou 7 mois et nous avons un problème. Alors c'est un marqueur important de la faiblesse de l'industrie française. Vous avez totalement raison de le faire. Oui. Hein, les Anglais viennent de sortir leur vaccin, on va l'avoir, on va en bénéficier. Les Américains en ont 2 ou 3. Les Russes les ont, les Chinois. Non, on a un problème de ce côté-là, c'est vrai. C'est une faiblesse de notre appareil industriel. On n'avait même pas, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de test. Alors ne nous demandez pas d'avoir des vaccins. Donc la France, pays en déclin, pour conclure ? La France a marqué un déclin, oui. Hein. Oui, je trouve que... Il y a une information cette semaine qui est sortie et qui est inquiétante, qui est un marqueur de ça, c'est que le gouvernement a fait appel à McKinsey.
McKinsey, grand cabinet international d'organisation. Ils ont fait appel à McKinsey pour pouvoir organiser l'opération et la campagne de vaccination et la logistique. Et avec l'administration avec pléthorique. Avec l'administration que nous avons, on va faire appel. Donc d'ailleurs, ça, je pense que ça va d'ailleurs déboucher sur une querelle politique, sur des demandes d'explications, parce qu'il va falloir savoir combien ça coûte, qui a pris la décision et comment on fait. Et pourquoi avec le nombre de compétences et l'arrogance que nous avons souvent, on est incapable de le faire. Eh bien, nous terminons en concluant modestement que finalement, on en reparlera. Jean-Marc, merci beaucoup de votre présence à cette émission. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt.